j'étais à Paris, j'ai lu dans Le Monde, il y avait un entrefilé disant que Marie-Rose Boulos avait été kidnappée par les phalangistes, et j'ai compris que c'était fini. Et alors, tout m'est revenu comme un film, et j'ai inventé les personnages, mais les prototypes, je les connais. Vous savez, la guerre est une chose terrible, parce qu'il y a des jeunes gens très bien, et même des jeunes garçons de 18 ans qui sont encore à peine sortis de la maison, on leur donne un fusil, et trois jours après, ils deviennent tueurs si l'occasion se présente. C'est terrible ce que ça fait. Et beaucoup des participants, c'était des jeunes gens dits très bien. Et puis, le patriotisme, le lavage du cerveau, le patriotisme. On ne sait plus, d'ailleurs, une fois qu'une guerre commence, qui a raison et qui a tort. La guerre crée son propre mouvement, son enchaînement. Et c'est ce qui est arrivé au Liban, c'est ce qui arrive partout, c'est ce qui est arrivé maintenant en Syrie.